Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Azarath, on se retrouve sur Dynasty Warriors 8 Extreme Legion Complete Edition. C'est un nom un peu à rallonge, mais c'est Dynasty Warriors quoi, c'est le maître du beat'em all, c'est le jeu où on peut écraser une armée à soi-même. C'est un jeu que j'adore, voilà. Et Dynasty Warriors, j'ai connu le tout premier sur PlayStation, mon frère y jouait beaucoup, qui était tout simplement un jeu de baston. Un jeu de baston, quoi, tout con. Et à partir du 2, ça a commencé à s'orienter beat'em all, un peu stratégie, etc. Et voilà, j'ai commencé avec le 4, après j'ai acheté le 2, par curiosité, après ainsi de suite. Et là, c'est le 8, quoi. C'est le 8, qui a eu une très mauvaise note sur jeuxvideo.com. Après, jeuxvideo.com, c'est peut-être pas forcément une référence au niveau des notes, hein. Des fois, ils sont un peu... voilà, hein. Parce que j'ai déjà constaté que... Parfois ils prennent des testeurs qui n'aiment pas du tout les RTS pour noter un RTS justement, donc voilà, jeuxvideo.com, je me fie pas trop à leurs notes. Et il y a le choc qui commence. Oui, si tu veux. Donc une grosse reprise des vidéos cette semaine, alors pas mal de tournages en prévision. Notamment tout de suite après ça, il y aura la suite de sport qui est beaucoup attendue apparemment. Une vidéo sur 7 Days, je vais essayer de construire une petite base, mais en off, en mode créative, sur le toit de l'école où j'étais déjà à la base avec Killer Surprise. Donc je vais faire ça en créatif, et je vais reprendre avec un peu d'équipement tout ça. Je vais laisser tous les paramètres par défaut, donc les zombies qui courent, etc. Et on va reprendre tranquillement sur l'Alpha 8, sur l'Alpha 8, avec les terrains lisses, etc. qui sont magnifiques, donc on verra ça très très bientôt. Et d'autres vidéos, peut-être sur d'autres jeux, au fur et à mesure. Donc voilà, on se retrouve sur Dynasty Warriors, hein, ça y est, on va être parti, vous inquiétez pas. Donc un jeu que j'adore. On va continuer le mode histoire que j'avais commencé avec le Royaume du Wei. Alors pour ceux qui connaissent pas Dynasty Warriors, ça se base sur la légende, enfin... Oui, on peut appeler ça une légende, mais c'est des faits historiques qui sont passés. C'est l'histoire des trois royaumes, des dynasties chinoises, etc. À partir de 200 après Jésus-Christ, je crois, en Chine. Donc la Chine divisée en trois royaumes. Le Wei, le Wu et les Shu. Et il y a le Jin qui arrivera plus tard dans l'histoire. C'est, si je me trompe pas, 70 ans après. Un peu de choses près, hein, si je dis pas de conneries. Et j'avais commencé avec le Wei. Je vais continuer. Alors c'est la bataille de la porte de Hulao. Alors dans cette bataille, on rencontre un guerrier, on va dire, légendaire. C'est celui qu'on voit dans l'intro qui surfe sur une bague avec son cheval. Et le mec, il est over-cheaté, craqué de la mort qui tue. Normalement, on n'est pas censé le battre. Quand il arrive, tout le monde flippe sa race. Et là, je vais essayer de me le faire. Je promets rien. Donc voilà, avant chaque début de mission, ils expliquent un peu le théâtre historique. Hein. Un vélo bien plus fort que... Je vous laisse lire, hein, de toute façon. Donc là, on se bat contre les forces de Dong Zhuo, qui était une espèce de tyran qui s'est auto-proclamé... pas empereur, mais comme il détient l'empereur, il a les pleins pouvoirs, quoi, en gros. Du coup, il y a une coalition qui s'est mise contre lui. Il y a un peu tout le reste de la Chine sur sa gueule, en fait, parce que, voilà. Et voilà. Voilà, donc... on va tuer Dong Zhuo pour la dynastie des Han, qui est la dernière dynastie avant les trois royaumes. Donc... l'ancienne Chine, on va dire. Si je me trompe pas, je dis peut-être des conneries. Donc voilà, tout le monde est réuni. Je trouve que l'histoire est vraiment sympa. Chaque royaume a son histoire. Et ça peut être des histoires vraiment prenantes. Et il faut savoir que tout, enfin presque tout, enfin tous les faits dont ils parlent dans le jeu sont des faits historiques qui se sont vraiment passés. C'est pas
C'est pas du chiquet de jeux vidéo, etc. Enfin, non, c'est vraiment une histoire vraie. Putain, j'ai le choc qui pète un plomb au bon moment, quoi. Donc, c'est vraiment une histoire vraie. Le fait qu'avec une lance, on bute 15 mecs d'un coup, non, peut-être pas. Pas déconner, mais tous les faits historiques sont réels. Voilà, donc on va y aller. Donc c'est parti, oui, une petite coupure. Alors, faut aussi savoir que tout se joue au clavier. La souris ne sert strictement à rien. C'est un peu galère, hein. Faut se diriger, taper et tout avec le clavier. Alors j'avais déjà joué à Dynasty Warriors Online et on pouvait taper avec la souris en fait, c'était beaucoup plus pratique. Mais là, c'est le portage PC, c'est le premier qu'ils font, il me semble. Enfin, non, je sais plus si c'est le premier ou pas, mais c'est assez rare qu'ils font un portage PC pour un Dynasty Warrior. Du coup, au niveau des touches, etc., c'est un peu galère. Donc, on va choisir ses armes. Alors, les étoiles, le nombre d'étoiles correspond à la compatibilité du personnage avec l'arme en question. Une quantité d'armes astronomique. Hein. Vraiment astronomique. Hein. Il y a de tout et de n'importe quoi. Des épées volantes, des canons de bras, des javelots de siège, enfin des trucs de ouf malade. Donc je vais essayer de trouver une arme. Alors esquiver. Je cherche les couteaux de lancer. Les couteaux de lancer qui sont une arme que j'adore. Ah non, c'est vrai. La compatibilité est pas très bonne, du coup il n'y a pas trop de bonus. Pas trop de bonus d'attaque en fait. Du coup. Ici je vais lui laisser son épée de prédilection. En arme 2, je vais prendre autre chose par contre. Oui, on peut changer d'arme, une espèce de... Ah tiens, trident double tranchant, c'est pas mal ça. Et je l'ai au niveau 2, donc on va prendre ça, c'est parfait. En arme 1, vos armes équipées partagent la même affinité. Ah merde, l'arme 1, je vais la changer. Est-ce que j'en ai pas une un peu plus puissante? Bien sûr que si. Enfin, je vais prendre celle-là, c'est tout. Ouais, donc il y a les affinités, c'est ciel, homme et terre, il me semble. Et par exemple... la terre est faible contre le ciel, mais forte contre l'homme, enfin, etc. C'est un système de pierre-feuille-ciseaux, en fait. En fonction de l'arme équipée, vous serez plus ou moins fort contre certains ennemis. Enfin, surtout les officiers ennemis, en fait. Sur les soldats, ça n'a aucune importance. Le javelin, tiens. Hop, homme, voilà. Ah bah, c'est bon. On confirme. Non, qu'est-ce que je fais? Voilà, je suis en train de m'emmêler les pinceaux avec les touches. On va choisir arme, on va équiper les talents. Ça, c'est les différents talents qu'on débloque. Par exemple, cri de victoire augmente la chance de trouver des objets lors des batailles. Plein de choses comme ça, quoi. Source de vie, c'est la régénération. Bonus santé. On va prendre un petit bonus défense. Ça peut être pas mal. Dévastation, c'est quoi ça? Augmente votre portée d'attaque. Ouais, c'est bien ça. Ok. Donc les talents se débloquent en faisant certaines choses, des choses du genre tuer un officier ennemi en sautant, ou ce genre de trucs, des trucs un peu bizarres. Mais ça se débloque tout seul, il n'y a pas vraiment besoin de farmer ou d'essayer absolument de faire les trucs. Moi j'ai pas du tout essayé de les avoir les talents, j'ai déjà tous ces talents là, donc... I am Yuan Shao, the leader of this coalition. The reprehensible Dong Zhuo has thrown the court into chaos. He must be extirpated. My allies, join me in this noble quest. The nobility. His name is his strength. I must break free of this and prove myself. That settles it! Hmm? You are the one I must serve. Now I'm sure of it. Why me, though? Surely there are others more worthy. Who are these men? You said you wanted strength. I got us some help. These two looked like they'd be useful. The time is ripe. The rest is up to you. Thank you.
vous appelez vous, là, c'est les nouveaux officiers qui arrivent. Là, par exemple, pour passer les textes, il faut appuyer sur L. Cherchez l'erreur, quoi. Donc, les touches, c'est un peu bizarre. Vous ferez pause, hein, pour les textes. Moi, je les ai déjà lus, ces textes-là. Si vous voulez les lire, vous faites pause sur la vidéo. Voilà. Donc, c'est tout. On va tout de suite partir au combat. Pas de temps à perdre. Hop. Il y a un challenger de la coalition. Faut vaincre donc du haut, tout simplement. Faire du ménage à la porte d'où, là-haut, ok. C'est parti. Alors, il faut voir... Parce que là, il y a les trois royaumes contre donc du haut. Et chacun prend un endroit, donc nous, je pense que c'est le milieu, quoi. Par vers le milieu, et on descend. Oh, regarde, vous voyez, lui par exemple, il est plus fort contre moi parce que j'ai pas le bon élément au niveau des armes. Donc si je change d'arme, voilà, je suis arrivé dans un élément neutre. Donc en gros, il aurait fallu l'élément terre pour battre toute la seconde. Mais bon, c'est pas un problème. Hop, voilà, terminé. Bon, ça va peut-être vous paraître un peu le bordel sur la vidéo. Tellement de mecs à l'écran, etc., qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Il faut savoir que la vidéo est enregistrée en 30 FPS et quand frappe s'est éteint, je suis à 60 FPS. Du coup, on distingue beaucoup mieux ce qui se passe. Vous avez vu sur jeuxvideo.com parler de soucis de ralentissement, de lag, etc. Moi perso, je les ai jamais vus. Je sais pas où ils ont allé chercher ça, mais moi le jeu est en 60 FPS, aucun souci, aucun ralentissement. Il n'a jamais lagué, jamais ramage, jamais de freeze, rien du tout. Vous voyez là le triangle bleu, c'est quand je suis efficace contre lui. Du coup je fais plus de dégâts et il manque moi. Et quand le triangle bleu est complètement vidé, parce qu'à force de le taper il disparaît en fait, ça nous fait faire une attaque spéciale de ouf balade en fait. Qui le one shot quasiment. Enfin ça dépend des officiers, ça dépend de votre difficulté. Et en général ça voit le shot. Ouais, là, j'ai été 10 mecs au tout début. C'est un peu. Les soldats sont pas très très importants pour une bataille. C'est la chair à canon, c'est. C'est vraiment. Le plus dangereux, c'est les officiers. On change d'arme. Allez, on va essayer de faire le plus enchaînement. Boum! Alors pour les enchaînements, coups spéciaux, tout ça, c'est il y a un système de coups faibles et de coups forts, tout simplement. Par exemple, deux coups faibles et un coup fort. Regardez. Ah ! Bien sûr, quand je vais le faire, ça marche plus. Par exemple, un coup faible, un coup fort, ça envoie la lance. Hop, quand j'en fais deux, ça fait un enchaînement de plusieurs coups. Bon, c'est un gros coup, etc, etc. En général, quand c'est après un coup, c'est un truc qui envoie l'ennemi en l'air. Deux, c'est un enchaînement. Trois, c'est un gros coup. Quatre, cinq, et on peut faire des gros enchaînements comme ça. Alors là, on peut voir qu'il y a du monde, il y a pas mal de monde. J'essaie de faire le ménage. Allez, venez. Allez, venez. Je suis là. Regardez, regardez. Du monde, on va faire l'attaque Mitsu. Voilà. Le ménage est fait. Enfin presque. Oh toi, tu m'auras pas. Oula, il y a un officier, c'est un peu le bordel. Ah, il m'a piqué mon frag, l'enfoiré. Viens par là. Il est pas mal cette lance, j'avais jamais essayé, mais j'avais pas le droit. Là normalement j'aurais pas réparé sur le coup. Je change d'arme ça. Comme ça, hop là. Et ça fait très très mal. Je gagne des bonus en plus. Très très. Oui bah revois ta stratégie. Bon. Donc là le ménage est fait. Voilà, on a libéré la voie de ravitaillement.
envoyer des provisions, c'est cool. La porte de la commission, morale en hausse, c'est cool. On passera jamais cette porte. Ouais, viens. Ah, il arrive du sud, je vais faire régler son compte. En plus, j'ai la bonne arme, ça tombe bien. Je vais essayer de faire le petit truc que je vous expliquais en vidant sa barre. C'est pour montrer l'attaque que ça déclenche. Ah, là, je peux pas passer. Les barrières de porte. Allez, ramène-toi. Ah non, il va mourir. Voilà, c'est mort. Et je peux pas récupérer ces objets. Ça, c'était un problème dans les anciens. Quand les officiers étaient derrière des portes, on pouvait pas aller. Quand on les envoyait 20 dingues là-bas, on pouvait pas limiter les objets. En fait. Vraiment, c'était corrigé. On a passé la première porte. Maintenant, faut avancer. Au pire, les petits soldats, on peut les ignorer, hein, c'est vraiment pas un souci. Les généraux alliés se font un plaisir de les exterminer. Qu'est-ce qui se passe? Force de Dojo, on lance une attaque. Oh putain, l'embuscade. Des flèches. Ok, là ça va finir. Là c'est super muscu de la mort. On va se dépêcher parce que nos officiers sont très sensibles aux attaques des flèches. Ah, c'est pas mal quand on change d'arme quand on le lance. Le truc. Bien par là, quoi. J'essaie de vous le montrer là cette fois. Évidemment, triangle, ça se trouve, il va encore mourir avant. Il va mourir avant. Il a changé d'arme. Oh, j'ai plus de terre. Hey, je m'en prends plein la gueule en fait. Quoi. Je survive pas ma vie tout à l'heure, c'est. Ok, je surveille pas ma vie, c'est pas bien ce que je fais. Il va falloir que je fasse quelque chose. Kaoxé. Allez, viens. I'll hunt you down personally. Your time is up. Le souci, c'est les flèches qui me font très très mal. Quand je vous ai dit que c'était vraiment problématique, les flèches, c'est le cas. Donc je vais me dépêcher. Je vais draguer son compte. Hop là. Oh. J'ai gone and got myself into a trap. Merci. Regarde pourquoi ils sont assommés. Je pense que les bons jeunes sont sur le point de prendre une embuscade. Ouais. Oh la vache, il y en a deux, j'avais pas vu. Oh putain, il y en a deux, j'avais pas vu. Ouais. Un peu de... Alors c'est pas lui qui s'occupe des flèches, je crois, malheureusement. Hop là, c'est bon, il a pris le temps de me toucher. Il faut savoir que quand les officiers ont une arme qui domine la vôtre, il faut être prêt, prêt. Ok, c'est bon, quoi, avancer. L'embuscade a été dévoilée. Ah, je la kiffe cette tour, ça fait de la foudre et tout. Il y a des espèces d'améliorations dessus. Hein. Elles peuvent avoir des pouvoirs spéciaux. On va continuer. My lord has ordered me to stop. Allez, Zhang Yao. Zhang Yao, c'est un ami à nous, justement, le dernier légendaire. Je vais essayer de tuer. Ah, vache, putain, arrête de se protéger. Alors, si je change d'arme. Non. Non, ça va. Il y a le chef du royaume de Lui et mon chef qui sont là. Donc on va faire très la gueule, on est tous déçus. Là par contre, il faut s'éloigner. Pas ça. Hey, il m'a donné des armes, c'est cool. On peut continuer. Oh, des balises. Hulao Gate is formidable indeed. Ça, ça fait pas mal de dégâts contre les soldats, même si les soldats sont très faibles. Même si les soldats sont faibles, il faut quand même pas les sous-estimer dans le fond. Ramène-toi ici.
Oh là là, cette lance. Le truc en fait c'est qu'on peut récolter des armes dans les autres modes de jeu et les utiliser les autres tout le temps dans tout le jeu. Je devrais peut-être que ça fait la difficulté la prochaine fois, mais vous allez voir quand je vais arriver contre le jeu, ça aura rien à voir. Crush these vile pests! What a waste of my time! You're not even worth soiling my blade! Moi j'aimerais bien passer. Ah, c'est pas par là qu'il passe. C'est quoi être. Le bout est déjà arrivé. Le bout est déjà là. Et il se dirige vers. Forget I said anything. You have come to help me. I am eternally grateful. I'm going to have your head. You sure know how to fight. Voilà. Another victim has fallen before me. Excellent job. Wow, il y a des balises dans le coin. Ouais, il y a des balises au-dessus. Mais... Ouais, ouais, les balises c'est super chiant parce que ça va s'en faire plus vite. Et du monde. Il y a beaucoup d'officiers ennemis là. Oh shit. Ah oui. Quand même. Bah c'est bon. Nous aussi on est nombreux donc... Another victim has fallen before. Hey, les pros. Ah c'est Sung Jin qui l'a mis. Ah y'a du monde, y'a tout le monde qui est là. Alors là, Lugu... Si on te fait pas la peau, c'est vraiment qu'un souci. J'ai un peu peur quoi. Won't escape this time. Die, insect! Look out! Run! I'll keep him busy! He stands fast before even Lu Bu. A brave warrior, indeed. C'est parti! Let's leave this charger! We head for Royal. Merde, faut changer l'arme! Putain, j'avais pas vu! Oh oui, c'est bon, je connais les noms! Vous voyez, il m'a niqué toute ma vie! Quand je vous dis que c'est abusé, je me replie parce que sinon je suis mort. I won't let you interfere with cousin's plans. Face me if you dare. Il m'a tout niqué. Oh, j'espère qu'il est derrière moi, il me suit l'enfoiré. Il est en train de me suivre. Hein. Il est en train de me suivre. Hein. Oh, non, t'as ce shit! Allez shit. Un pot. Faites qu'il y a de la vie. Il y en a quoi plus loin.
Righteousness is on our side. Now, let us see who can have more impact on this battle. Master Tsao, let us work together to win this battle so that the people can know peace. Et il me suit, il veut pas me lâcher. I'm afraid such lofty ideals do not win battles, nor can they conquer the land. Bouf! Et voilà, il m'a fait une attaque Musou, il m'a one-shot, même si j'avais pas beaucoup de vie. Vous voyez le genre de bestiaux que c'est. Et malheureusement, quand on sauvegarde pas pendant la bataille, on l'a dans le cul du lui. Voilà. Donc c'était pour vous donner un petit aperçu de Dynasty Warriors 8, Extreme Legend Complete Edition of Alpha numérique de la magnitude. En espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir Dynasty Warriors... peut-être pas sous forme de série, mais par exemple, qu'on découvre ensemble l'histoire de tel ou tel royaume. Par exemple, l'histoire de Lubu, justement. Ou l'histoire du Wu, du Shu, du Jin. Autre, je vais pas regarder encore. Story, on s'en fout. Enfin voilà, si vous avez envie de faire avec moi un mode histoire comme ça, pourquoi pas. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus, moi je suis tout à fait d'accord parce que je surkiffe ce jeu. Il y a également le mode ambition où on commence avec sa bite et son couteau et on doit construire une base pour accueillir l'empereur. Du coup on fait tout un tas de missions, on gagne des alliés, etc. C'est pas mal aussi. Sauf que par bataille, les batailles durent que 6 minutes en fait. Du coup on n'a pas trop le temps de faire ce qu'on veut, c'est un peu dommage mais bon. C'est le mode de jeu qui est comme ça. Il y a aussi un petit mode défi où il faut battre des records à la con, enfin... Pas mal de trucs, la galerie... Alors niveau personnages, des personnages jouables, il y en a. Quand je dis il y en a, c'est qu'il y en a. Ça c'est pour un royaume, le royaume du Wu c'est pareil. Je sais pas combien. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Chou c'est pareil, il y en a plein. Jin, il y en a un peu moins chez les Jin. Il y en a pas mal quand même. Et autres, il y en a quelques-uns aussi. Donc le bœuf. Et il y a aussi les costumes, par exemple, ça c'est les costumes de Dynasty Warrior 7. Voilà, et ça c'est la tenue qu'il a dans le 8. Moi perso je préfère celle-là. Moi je la kiffe moi celle-là. Moi j'aime bien. Voilà, voilà, donc encore une fois en espérant que ça vous ait plu, on se retrouve très bientôt pour la suite de Spore et de 7 Days to Die qui viendra après Spore normalement. N'hésitez pas donc à me le dire en commentaire si vous en voulez encore et encore et encore, la castagne de la vraie. Et on se retrouve la prochaine fois, du coup peut-être demain, peut-être, je sais pas trop quand je vais poster tout ça, on verra bien. Abonne-toi si c'est pas fait, mets un petit like si ça t'a plu ou un dislike si ça t'a pas plu, hein, voilà. Et on se retrouve très bientôt. Voilà, c'est Azarath pour Gaming for Fun. Je te dis bonne soirée, bonne journée et à la prochaine.